Et c'est le retour du replay. Du coup, niveau 7, on commence avec Hyrule sous la neige. Guidé par les 6 petites fées. La tour des vents a disparu. Pour faire réapparaître le temple, il faut incruster les joyaux royaux dans le sol sacré de l'épée des 4. Nous partons en tête et protégeons le sol sacré des ennemis jusqu'à ta venue. Le pouvoir des ténèbres a arrêté le cours du temps. L'hiver persiste. Nous devons garder espoir et croire en demain. Que la passion réchauffe notre cœur. Mais avant tout, il faut retrouver le dernier joyau royal. Ensuite, nous irons à la tour des vents où nous attend la princesse Zelda. Et on a le thème de Zelda version... version hiver, c'est la classe, j'adore. Ah, ça rebondit bien ces machins. Perso, je fais l'histoire principale, quelques quêtes secondaires utiles, mais sinon... Oh, ça, perso, j'aime bien les... J'irai pas jusqu'à faire le 100% des Assassin's Creed, mais au moins un peu voir les quêtes annexes, les trucs comme ça. Ah, je veux... Ah, peut-être... J'ai une idée. Vite, vite, vite. Est-ce que je garde la bombe? Je garde la bombe. Non, j'ai... Les seuls que j'ai fait entièrement, c'est AC2 et Brotherhood. Ouais, bah ouais, j'imagine bien. Ah, pour le coup, les seuls que j'avais fait à 100%, bon, en live, je les ai pas refait à 100%, mais ceux que j'avais fait à l'époque où j'y avais joué, à 100%, c'était Brotherhood. Le 2. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Unity, ça m'a gonflé, j'ai pas aimé le jeu. Ouais, j'avoue que le Unity, il était pas ouf, hein. Bah, c'était sympa... C'était sympa l'idée de la coop, mais pas assez utilisé, je trouve. Ou, bizarrement, dans... Enfin, le truc que je comprends pas, c'est que dans Unity, il y avait aucune raison apparente de faire une coop. Et ils en ont fait une, alors que dans Syndicate, où justement il y a une excuse entre guillemets à la coop, bah ils en font pas. Ça que je trouve un peu dommage, mais bon. Tiens! 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 Ah, raté. Mais tu... Tiens! Faut vraiment le tuer avec des cailloux? Tiens! Raté. Tiens, mange! Ah mais je suis con, je peux passer là! J'avoue que le Syndicate, pour l'instant, j'ai pas trop avancé, hein. Je suis à 4 ou 5 épisodes en tout sur la chaîne, mais j'aime beaucoup. Hey mec, c'est moi, c'est ma j'aime. Le Syndicate est vraiment sympa, je reconnais. Hein?
là je peux pas. Genre les combats ils sont revenus en arrière, ils sont vraiment cool. Ah oui, les combats sont vraiment... Aïe 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 aïe. Les combats de Syndicate sont vraiment sympas, oui. Comparé à Unity, y a pas photo. Oh, mais t'as un lance-flamme, toi. Donne-moi ça. Donne, 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 donne. Radin. Attention, tempête. Ne t'éloigne pas en cas de tempête. Une exposition prolongée t'épuisera. Sois vigilant. Et quoi, là? Ah oui, d'accord. Ok, ok, non, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, je me casse. C'est bon, on s'en va, on s'en va. On n'est pas là. Sinon, je sais pas si t'as vu, Rogue à 11€ sur Steam, je me tâte. Ah, à 11€, ah, sympa. Non, j'avais pas vu, du coup. Mais je pense que je vais le prendre, à ce prix-là. Il y a des chances que je le prenne. J'ai trouvé le trou. Ah, une fée. J'ai même pas fait gaffe. Ah, c'était pas le bon. Ah mais non, y a pas besoin là en fait. Mais 11€, ouais, le Rogue. En plus, je sais que le Rogue est très sympa pour y avoir joué un petit peu chez mon père, qui lui aussi est un fan d'Assassin's Creed. Mais du coup, je pense clairement que je vais le prendre à ce prix-là. Donc, vu qu'ils sont sortis en même temps, Unity et Rogue, si j'avais su, perso, j'aurais pris Rogue. À la place de Unity. J'ai lu les avis, il a l'air vraiment bien noté et cool. Ah ouais, non, franchement, il est vraiment bien. Bon, on va attendre. La prochaine tempête de neige avant de passer. Allez, go! Bah non, clairement, le Rogue est vraiment sympa. Oh, genre! Bon, bah, on va attendre la prochaine alors. Donc, oh mais genre, attends, il y a bien un truc à péter là. Attends, la prochaine. Je pense que le Rogue, je vous le ferai un de ces quatre en live. Voilà. Ce que j'essaie de faire depuis une heure. Bon, maintenant qu'on a le lance-flamme. Oh, comment j'ai touché le mob dehors sans le vouloir. Ah, Tingle, tu te casses. Tingle, t'es sympa, tu te barres. C'est bon, ressort.
Hop là, on se barre. Enfin, on se cache. C'était quoi ça déjà? Ah oui. Bon, elle est où la tempête? Elle arrive? Merci. Non, Tingle, tu te barres. Allez, vite. Hop là. Brûle. Yeah. Aïe 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 aïe. Non, Tingle, t'es chiant, tu te barres. Tu sais que t'auras rien de toute façon. Je vais rien te laisser, mec. Ah ah, tu fais plus ta maline la boule de neige là, hein? Ça déconne plus? Non mais... Oh. Ah. Épée niveau 2. Ok, donc là il y a tous les items. Je vais garder la baguette de feu pour l'instant. Lac gelé, baignade interdite. Merde. Voilà, et trop vite. Je vais manger banane. Ok, Palamestia, merci à toi d'être passé. Parce qu'on va probablement pas tarder à s'arrêter. Dès que j'ai fini ce niveau, on s'arrête. Donc bon appétit, merci d'être venu. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. Non, non, non. Bracelet rouge. Cette force. On va soulever des arbres. On va aller voir ce qu'il y a en dessous d'ailleurs, tiens. Un chip chip. Celui-là aussi. Hey, il casse pas celui-là. Ah si. Du coup. Ah mais non. Ouais bon, j'imagine qu'il doit ramener au même l'autre. Hein. Genre il servirait qu'à ça cet endroit? Juste à choper une gemme? Ça paraît bizarre quand même. On va vérifier celui-là, le plus éloigné. Oh non, ils mènent tous au même endroit, donc... J'ai dû rater un truc.
J'ai dû rater un truc. Bon, au pire, la maison donne accès à tous les objets, mais... Mais bon... Ah, j'ai eu un bracelet de force. Allez. Voilà. Brûle la mojo. Non. J'ai réussi, j'ai créé un jeu de détente pour les pestes mojo. Je vais l'appeler les pics infernaux. Les règles sont simples, il faut faire tournoyer les pics et les couper en l'air. Il faut qu'ils tournent pour les couper, sinon c'est nul. C'est trop marrant, tu le trouves pas? Ouais, carrément. C'est l'éclat de ton jeu. Ce bordel! En même temps, j'ai pas vraiment cherché à y aller doucement. Je reconnais. Oh yeah! Là, ça s'est plutôt bien passé. Oh genre. Ah, Tingle, il vient pas là. Pourtant, il y a du pognon à se faire. Hein. Vu tout ce que je perds. Bon, tout ce que je gagne aussi, d'ailleurs. Voilà. Quoi, tout ça pour un cœur, c'est tout? Bon. Sinon, y a rien d'autre. Ça, on peut pas les ramasser, ça. Non, on peut pas... Pas sûr de tout comprendre là pour le coup. D'habitude les niveaux sont bien tout linéaires. C'est bizarre. Brûle! Moi toi aussi, brûle! Ah, on fait plus les malins là, hein? Ah, mais il y avait une route là, j'avais pas vu. Hihi. Ah bah. Tadam. Tadadadam. 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 Bon, là, il me faut une perle. Ah bah oui. Quoi? Ah, juste le fait qu'on a enlevé les deux arbres. Quoi, t'as un problème toi? Je sais, en faisant ça, je récupère pas de gemmes, mais c'est tellement drôle. Oh là là. On se calme. Encore un cœur supplémentaire, et ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on en a autant par contre des cœurs. Boulet.
Ça sent le piège. Allez, venez! Ah merde. Bon, ça dit, on aura bien fait le ménage. C'est classe ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est la méga classe. Je découvre encore des trucs. Bon, je me suis fait littéralement exploser, j'ai plus de vie. Mais sinon, tout va bien. Ça, c'est la classe. Faut que je teste. Prochaine fois qu'on trouve des mobs, on teste. Alors, qu'est-ce qu'on a encore par là? Que dalle. Bon, ben y'a rien. On repart. Ah, vous le soulevez pas celui-là? Non. Déception là. Alors déjà, ici. 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 Waouh, 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 waouh. Ah, bien ça. Ensuite. Ici. J'ai l'impression que c'est tout. Ah, nickel. Ah, des cœurs. Il y a des souris qui sont apparues. Qui veut du rat grillé? Eh. Alors ici, il y avait quoi? Qu'il faut aller chercher avant Tingle? Non, même pas. Tingle 9ème, même pas. Ensuite, ici, il y avait quoi? Oh non! Oh non, il y a une tempête maintenant. Bon, on va attendre qu'elle ait soufflé. Bon. Ensuite, ici. On va tous les activer, hein. Non, on s'en fout, c'est qu'une bombe. Du coup, techniquement, avec la tempête, la mèche devrait s'éteindre. Non? Moi, je sais pas, je propose. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mobs qui vont m'embêter pour monter. Je le sens. Qu'est-ce qu'il y a pas eu? Ah, des chevaliers.
Allez, go! Ouais, 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 hein. Ciao. Oh, à moi, reviens. Non. Bon, tant pis. Bon, cela dit, on est déjà à 5000 gemmes, donc ça devrait aller. Bon, ça sent le petit boss tout ça. Oh. Il y a des Link qui se baladent. Ah, saleté! Pas se planter. Ah ah, you're dead. Voilà. Et ben voilà. Le boss. Hop là. Allez, direction l'intérieur. Voilà. Et du coup, on a la dernière gemme, la gemme violette. Ouais, je préférais le rouge. Quel héros! Tu as réussi à venir jusqu'ici. Je suis le chevalier d'Hyrule chargé de garder le joyau royal violet. Grâce à toi, nous avons été libérés de nos malédictions. Tu dois maintenant emporter les quatre joyaux par-delà ce temple glacé et t'envoler vers la contrée sacrée. Puis, tu pourras entrer dans la tour des vents où Vati t'attend. Au fin fond du palais qui flotte au-dessus de la contrée des cieux, une terrible malédiction t'attend. Si tu ne lèves pas cette malédiction, Hyrule sera plus jamais en paix. Le destin de la princesse Zelda et du royaume d'Hyrule est entre tes mains. Allez, du coup, chaque Link a sa gemme. Ça y est. Tu as tous les joyaux. Il reste qu'une demoiselle à libérer. Ah ouais. Meurs. Et bip, 41 vies, allez. Tu peux pas test. Et ben voilà. Le temple de glace, ce sera pour la prochaine fois.
Bon, on va faire oui pour la beauté de la forme, mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je coupe le replay déjà. On aura pas mal avancé, on aura fait tout le désert, tout le... On a fait quoi exactement? Ouais, on a terminé le monde des ténèbres et ensuite on a fait tout le désert et on a fait la moitié, enfin, le premier tiers du monde de neige. Pardon. Du coup, on coupe le replay et on verra quand est-ce qu'on fait la suite de ce Zelda.